Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu mobile. Donc aujourd'hui, c'est Frontline Commando Shooter, pour être précis. Donc voilà, il y a vraiment plus, il y en a plusieurs. Donc il y a le premier. Alors voilà, une petite pub, hein, dès qu'on ouvre. Enfin, il y a le premier. Il y a Frontal Commando Shooter, donc celui-là. Et il y a Frontal Commando Shooter 2. Que je vous proposerai un jour ou 2 jours après cette vidéo. Donc voilà, donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, vous retrouverez le lien pour pouvoir télécharger ce jeu-là sur iOS 16, donc pour iPhone et sur Android, hein, donc Samsung, etc. Alors sur Android, je suis pas sûr qu'il le soit. Normalement, il l'est. De toute façon, vous verrez dans la description, hein, je vous mettrai les liens pour Android et pour les iPhones. Donc c'est parti, donc je l'ai essayé donc j'ai déjà joué, hein, un petit peu, donc du coup je vais refaire quand même des missions que j'avais déjà faites. Donc hop, on va faire le sniper, tiens. Je l'ai essayé sur tablette. Alors, il faut savoir, j'ai une tablette Asus, c'est pas une tablette qui vaut de l'or non plus, hein, vaut 150 euros, mais je l'ai acheté 100 euros parce que voilà, avec les promotions, etc. Et c'était pas forcément trop trop fluide. Une patrouille approche dangereusement. Ok, objectif, tuer tous les soldats ennemis. Ok, bah non, en fait je ne l'ai pas faite cette mission là. Donc c'est parti au sniper. Donc c'est vraiment jeu de guerre à l'ancienne, hein. Ça fait plaisir. Allez, tire dans la tête, ça c'est fait. Il regarde partout, il se demande où c'est. Tu m'as pas vu. Mais par contre il m'a vu, je crois bien. Hop. Que des tirs dans la tête, c'est ce qui rapporte le plus, hein. On peut lancer une grenade si on le veut. Voilà, on peut appeler le raid aussi, qui sont tout simplement les avions. Lui, dans la tête aussi. Puis par contre, il m'a vu. Hop. Lui, c'est pareil, dans la tête. Et regardez-moi ça au ralenti. Voilà, c'est un peu le truc qui m'a fait vraiment kiffer ce jeu, hein. Tout au début, c'est ce petit ralenti, vous voyez la balle partir. Je trouve ça vraiment bien fait, le petit effet au ralenti. Vous l'avez aussi dans ce Frontal Commando 2, sauf que c'est l'ennemi en fait, vous voyez la balle partir en fait, et donc du coup vous l'esquivez un peu comme dans les films Matrix ou voilà, un truc comme ça, où, les trucs que tu feras jamais en vrai quoi. Donc voilà, donc après voilà, vous débloquez des nouveaux trucs. Des packs auxquels il faut payer, hein, bien sûr, il y a des trucs payants, hein, dans ce genre de jeu. Donc voilà, ne laissez pas à côté de cette arme ultra puissante, voire armurerie. Bon, on va zapper. Allez, on va faire un petit tour mitrailleuse. Par contre, c'est bloqué, donc du coup, on peut pas. D'accord. Donc, lequel que j'ai pas fait. Allez, le mitrailleuse là, peut-être que celle-là. Je peux pas non plus. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Hop, on peut améliorer aussi. Donc pour les dommages, les zooms, etc. Voilà, vous gagnez plus 4 puissances en chargeur, enfin et tout, etc. Donc là, vous voyez, là j'ai un zoom. Donc là, je vais pouvoir zoomer aussi. Alors, par contre, là, ça va pas changer tout de suite. Hop, améliorer. On va améliorer un peu tout. Voilà, 3 en puissance, 6 en dommages. Hop, c'est parti, on va faire un petit tour en bataille. Donc c'est vraiment un jeu assez sympa, hein, ça rappelle les anciens jeux de guerre quoi. Donc je vous passe, hein, les textes. C'est vraiment très très long. Donc là, hop. Donc là il y a un char là-bas. Donc on prend le bazooka, on l'explose. Bon, par contre ça l'explose pas au premier coup. En train de me faire tuer dessus par contre. Hein. Je peux pas changer d'arme. On va appeler le raid, voir ce que ça va donner. Hop. Les avions vont passer là. Et voilà. Bon, ça va beaucoup plus vite, hein, quand il y a les avions. Maintenant on progresse. Et du coup, comme on est à la mitraillette là. Bon, ça va, j'arrive quand même pas mal à viser. Putain, là ils sont 3. Vous avez vu, j'ai vraiment le temps de charger et de tirer. Hop. Il y en a un qui est là-bas. Je vais même zoomer un peu.
la petite balle au ralenti. Je kiffe. Franchement, je kiffe ce petit truc. On progresse. Alors, j'ai pas de deuxième arme. En fait, j'ai juste ça. Tirer à vue. Ouais, d'accord, mais... Ok, d'accord, il y en a un qui est là-bas. Lui, je l'ai vu. Il y en a un qui est par ici. Regardez ça. Franchement, l'effet, il est vraiment super bien fait. C'est vraiment kiffant. Le sang, il est un petit peu moins fait, en tout cas. Et donc, voilà, mission terminée. On rentre chez nous. Après, on gagne des récompenses, hein, toujours. Un tir dans la tête, j'en ai fait 4. Tir au corps, donc on peut faire ici des tirs au corps, 258. C'est pas mal, ça, j'ai quand même gagné pas mal d'argent. Alors voilà, ce jeu vous plaît, vous pouvez aussi améliorer cette arme là, évaluer aussi le jeu. Hein. Hop, ne pas rappeler. Et voilà. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo sur ce Frontal Commando Shooter. Donc voilà, le menu il est vraiment super bien fait hein, avec les armes, enfin les fusils, les packs d'armes, etc. Vraiment très très bien fait le menu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite-toi pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite-toi pas à mettre un j'aime si t'as vraiment, si t'as kiffé la vidéo. On se retrouvera très vite pour Frontal Commando 2, que j'ai vraiment bien kiffé aussi, qui est un petit peu plus, qui est encore plus joli aussi bien sûr, et qui est un petit peu plus futuriste, un peu plus moderne. Donc voilà, donc on se retrouvera très vite pour cette vidéo là, et donc pour d'autres vidéos, F1 2015, FIFA, Call of Duty. Donc voilà, enfin bref. Un peu tout. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!